Nous sommes dans le corps humain. Il est composé de cellules et nous allons entrer dans l'une d'entre elles. À l'intérieur, il y a un noyau. C'est lui qui contient les chromosomes, autrement dit, nos gènes. Il y a 23 paires de chromosomes. Chaque chromosome est constitué d'un long fil enroulé sur lui-même. C'est l'ADN. Cet ADN prend la forme d'une double hélice avec deux brins. Et les éléments de couleur que vous voyez, ce sont les acides nucléiques. Ils codent toutes les informations nécessaires au fonctionnement de notre corps. Mais ils déterminent aussi notre apparence, la couleur de nos yeux, de nos cheveux, etc.
Les instructions qui guident la synthèse de l'insuline sont codées par un gène, c'est-à-dire par un segment d'ADN situé dans le noyau. Lors de la transcription, une enzyme glisse le long de l'ADN comme une fermeture éclair, formant l'ARN en rose. Les nucléotides entrant dans la constitution de l'ARN sont disposés en ligne vis-à-vis des nucléotides complémentaires de l'ADN, transcrivant de cette façon l'information de l'ADN en ARN. Durant sa croissance et avant de sortir du noyau, l'ARN subit plusieurs modifications. Premièrement, son extrémité 5' est recouverte d'un nucléotide de guanine modifié, appelé coif. Par ailleurs, les segments du brin d'ARN qui ne codent pas pour la protéine sont retirés et les segments qui restent sont raccordés. Finalement, des nucléotides d'adénine supplémentaires sont ajoutés à l'extrémité 3' du brin d'ARN, formant une queue. L'ARN messager mature, ou ARNm, quitte maintenant le noyau.
Dans le cytoplasme, le message contenu dans l'ARN est traduit en protéines. Ce processus commence quand une première molécule d'ARN de transfert, ou ARNT, arrive, portant un acide aminé particulier. La petite sous-unité d'un ribosome s'attache à l'ARNm. Puis, la grosse sous-unité du ribosome s'y attache à son tour. Ensuite, une deuxième molécule d'ARNT arrive, apportant un autre acide aminé. Le ribosome contribue à la formation d'une liaison covalente entre les deux acides aminés. L'ARNm glisse dans le ribosome, ce qui provoque le détachement du premier ARNT qui quitte le complexe. Un nouvel ARNT apporte un autre acide aminé. Le ribosome contribue à la formation d'une nouvelle liaison et ainsi de suite. Notez qu'une des extrémités de l'ARNT possède un triplet de base appelé anticodon et que celui-ci s'apparie avec les bases correspondantes sur l'ARNm qui forme un codon. L'autre extrémité de l'ARNT porte un acide aminé particulier. Divers types d'ARNT portent divers acides aminés. Ainsi, le message de l'ARNm est traduit en une séquence particulière d'acides aminés.